Et du coup, ça donne qu'on fait nos touches. Hein. Normalement, je pense qu'on devrait avoir un petit Mewtwo du côté de Pikanai. Normalement, si je connais à peu près le joueur. Ouais. Ça devrait être un petit peu particulier. Ça fait du changement. Un petit peu, on peut passer en Mewtwo. Voilà. On passe immédiatement en jeu quand même pour qu'on voit le jeu. Parfait. Et ils se sont pas trompés. En plus, parfait. J1 à droite. Tout va bien. Incroyable. Merci à eux. Donc, je sais pas pour quel match-up. Je suppose quand même. Non, c'est normal. Ah, okay. Il est là, le micro là. Regarde. Oui, on nous entend, tu veux que... Exact. Et du coup, ouais, on est reparti, petit avantage pour Pican. Hein. Tranquillement, une petite phase de neutral du début. On nous entend, Nickel, voilà. Du coup, pour l'instant, ça se cherche, hein, y a pas grand chose à dire. Hein. On finit ça, faire un peu chier, ça très bien. Hein. Alors, neutral du snack est assez terrifiante, hein, en avantage également, surtout en avantage, en fait, elle est vraiment terrifiante. Là, quand t'es acculé à l'edge, vraiment avec Mewtwo, avec une aussi grosse Earthbox que Mewtwo, qu'est-ce que tu fais vraiment pour t'en sortir? Ah tu... ça va être compliqué mais là ça... Tu double jump, tu passes au-dessus, tu TP... Et parce qu'il a fait ouais, double jump TP, il a réussi à passer à travers, bien vu à lui. Et voilà. Ok, on a trouvé les petits combos, on est bien niveau Pikanai là. Dun Tilt faire, je savais même pas que c'était trop en réalité. Je crois que ce Dun Tilt ça avait que 1 upper en combo ma foi. On en découvre tous les jours, après c'est pas un personnage qu'on voit assez régulièrement. Ah oui, c'est vrai, d'après le truc de... Ouais, c'est grave pratique en vrai. Ouais, c'est sympa, ouais. Ok, ouais. Et on a du support, non, j'avais même pas regardé, on a du d'avantage pour Pikachu. Pas trop quelque chose, on essaie d'avoir des trucs, mais bon. On se roche Shadow Ball. Après, ça a pas vraiment de combo, je crois, Mewtwo, après ça donne 3 à 0, malheureusement. Non, ça a rien du tout, c'est vraiment des gros mix-up. 50-50, des situations un peu bizarres. Je sais, à quelques pourcents, tu peux quand même avoir Don't Throw Fair, mais. Si, tu peux avoir Don't Throw Shadow Ball si le mec fait une air dodge. Hein. Ouais, mais s'il fait une air dodge, donc ça reste une read quoi. Du coup, c'est des mix-up. Des mix-up un petit peu particuliers, ouais, quand même. Mais bon, écoute, il a raison. Ok, bon, il a tenté la fameuse Do It in Mewtwo où juste tu fais double jump dans la zone rouge. Throw, on va ledge trap. On va trap un peu. Un peu brouillon, c'est un peu dommage. Hein. Salut à toi, mon cher Clarence, comment vas-tu, mon grand? N'hésite pas à repasser pour Smash, hein. Y a pas que Mario Kart dans la vie, n'oublie pas. C'est vrai. Parce que Mario Kart c'est un peu un jeu de chance, tu vois. Je dirais pas ça quand même, j'ai pas envie de me mettre des gens à dos. J'ai pas envie de me mettre des gens à dos, mais je vois que faut que ça n'a pas peur de se mettre des gens à dos, c'est bien vu à lui. Bref, en tout cas, on a presque deux stocks entières. Ah ouais, non, tu vas jouer à Black Ops en rentrant là ou quoi? Non, pas ce soir mon cher petit Xertex, Gaspard comme tu veux que je t'appelle. Mais bien vu, et du coup, on va peut-être avoir un 3 stocks du côté par exemple de Pikanine. Là on est chaud là. On parle, mais ça déboule, hein, ça déboule. Ça déboule. On parlait de... Ça déboule. Comment ça déboule? Un mec qui déboule, ça déroule, tu vois, ça déboule, ça existe comme expression. Ça déboule, c'est un mec qui l'arrive, il déboule. Non, il déboule dans la pièce. D'ailleurs, viens ce week-end à Mario Kart. Ah, y'a un événement à Mario Kart ou ça au random? Ça déboule. C'est l'expression, mec. Oh là là, mais c'est pas ma faute si t'es un ancien. Si t'as 48 ans que tu connais aucune expression, mon rêve c'est ton problème, pas le mien. Hein. Et là, on est solide hein, du côté de Corven. On arrive peut-être à revenir. Ok, oh là là. Je crois que ça a plus de jump. Faut capter les allées dessus. Ouais, mais en gros, c'est ça. Je passe davantage, qui sera présent. Ça fait ces Dun Tilt un petit peu trop loin de l'edge. Hein. Ça touche pas hein, cet endroit, mon cher Corven. Pseudo assez particulier, je sais même pas comment le ledge trap est vraiment passif, c'est dommage, hein. Faudrait trouver un petit truc avec tilt. On dirait un petit throw là, on se prend pas la tête, on se grabe, voilà, comme ça. On dirait console, on dirait un petit ledge trap de Samus avec juste mais au bout juste des neutral billes et ça marche plutôt bien. Ah merci mon ref, entraîne-toi sur Black Ops. Et Corven, il est en train de revenir dans la game petit à petit, si on pouvait avoir un petit kill maintenant ça mettrait bien. Mewtwo est full rage, Mewtwo. Et smash là, c'est vraiment... Y'a meilleur punish, ouais, malheureusement. Oh, bah ouais, ça va chercher. On est en train de revenir là. Après 159, une simple up throw. Ouais, voilà. Même la F-tilt ça tue, hein. Une simple up throw et un F-tilt, n'importe quoi, ça prenait la stock. C'est pas hyper léger Lucina, mais bon. Mewtwo a quand même un kill power qui est pas. Kill power de ma boule. Hein. De ma boule, vraiment. Bah après, il se fait tuer très tôt aussi, donc. Un glass cannon, vraiment. C'est un échange, on va dire. En tout cas, bien vu à Pikanine. 1-0 pour lui. Est-ce que tu sais combien coûtent les bouteilles d'eau au... Aucune idée. Ok, enfin, j'ai bien compris. Je cherche assez. 1€ je crois. Oh bah parfait, je crois que j'ai. Parce que j'ai oublié la mienne. Dans mon congélo en plus, je pense que je vais rentrer, je vais la retrouver explosée. Un bon coca, bien frais. Coca bien frais chacal. Mec, c'est arrogant ça mec.
Ah ouais? Coca, vous venez frais chacal? Tu connais pas? Mais alors, comment ça, on a plus le droit, maintenant, 20 ans qu'on a appris que c'était un pointeur. Ah, mais donc ça. Ah, apparemment, ouais. Après, il y en a beaucoup des pointeurs. J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup sur internet. Hein. Ouais. Ou alors, c'est juste qu'on entend bien parler. Après, c'était une personnalité assez publique, quoi. C'est normal que. Enfin, bref, on s'en fiche. Là on a 1-0 pour Popkin. Et puis on va voir quand même petit counter pick Lobastion, on va voir comment ça se déboule. Comment ça se déroule. Et là donne trop rien du côté de Pika 9, c'est un peu dommage hein. Faut peut-être réussir à avoir de meilleurs rewards hein, sur ces grammes, peut-être mec des merdes basse pro, envoyer le mec off stage et puis voilà quoi, c'est un peu dommage. Ça capitalise pas. Ça capitalise pas assez sur les hitbox de Lucina. Lucina elle peut se permettre vraiment pas de bourrer non plus, faut pas exagérer, mais elle peut se permettre de mettre des hitbox assez souvent. Surtout contre un Mewtwo qui doit approcher, qui est assez rapide dans les airs mais qui a un double saut qui est très très lent. Elle peut vraiment se permettre des phases d'edge guard monstrueuses là. So, c'est dommage ce don't tilt en deux frames. Hein. Peut-être ça aurait été mieux d'attendre pour voir la réaction. Ah, j'ai l'impression que Corvin ne sait pas trop comment. Il hésite encore à aller chercher, du coup ce qu'il fait, voilà, il fait juste des don't tilt en deux frames. Alors, c'est pas mauvais avec Lucina, mais il faudrait un petit peu mix-up, hein. Il faut pas faire que ça non plus. Ah non, avec Lucina, faut vraiment réussir à avoir un jeu d'edgeguard. Déjà, de toute façon, on l'a vu tout à l'heure, le stock qu'il a pris, c'était en edgeguard. Donc ouais, en vrai, si on arrive à reproduire ce qu'on a fait tout à l'heure, côté de Corvin, ça fait bien. Ça, c'était une bonne idée. Ça, c'était vraiment une bonne idée. En tout cas, on a un bon spacing côté de Corvin, hein. Je sais pas si t'as vu, il a mis un donner sur le shield et ouais, non, par contre, cette fois-ci, non, un mauvais spacing justement. Tout à l'heure, ouais, il a fait pareil, exactement pareil. Il a essayé de mettre son smash à Toshi, Pika 9 et ça a pas marché. Ah, le spacing était terrible, hein. Il est rentré dans lui. Hein. Mais là, ouais, là par contre, ouais, un peu particulier. Surtout quand t'es aussi flotti avec Lucina, faut que tu prévois un peu ton drift hein, quand même, parce que tu peux te faire punir très aisément, malheureusement. Oh là wow, là, ça tente des trucs. Là, ça va péter un câble. En fait, ça va chercher, je sais pas s'il nous entend, donc je sais pas s'il est parti chercher parce qu'il nous a entendu, mais. Je sais pas, mais. C'est pas, joli, pas de coaching. Coaching Gono, comme on dit. Oui, tu donc quand même. Ouais, c'est pas fou. Là, petit Pika 9, on est. Rattrapé. Et on retente des don't throw rien. Don't throw rien, mais par contre, faudrait peut-être que. Non, mais là, c'est. Non, mais Corvain, ça tourne à l'humiliation là. Voilà, Corvain réagit quand même, mon ref, tu peux faire autre chose. Ah, il a. Le mec faisait quoi? Il a souri. Il a bien entendu. Lui aussi. Hein. Mais bref, ouais, j'ai l'impression que ça nous entend, donc on va éviter de parler trop fort. Mais ouais, par contre, c'était quoi ça? C'était un chain grab, on est où là? On était sur. J'ai un brawl là quoi là. On était sur brawl gros. Don't throw. Pika 9, il s'en bat les couilles, mec, il joue à mêlée. Là, il est en train de jouer à brawl à l'instant. Là, il joue à ultimate juste après. Non, le mec s'en fout, il joue à tous les smash. Et okay. Ça va, Mystique. Ça remonte pas juste à comme ça, t'es Mystique, craté, quel dommage. C'est dommage là de se faire tuer aussitôt. Alors qu'on avait un bon avantage. Non, là, parce qu'on prendra pas la stock encore, je pense. La F trop ultra forte. Ouais, elle met beaucoup de dégâts, ouais, je crois. Oh, le FTS qui tue quand même. Oh, le Bastion, par contre, les Blast Zone, j'ai appris ça il y a vraiment pas trop longtemps en fait. Les Blast Zone qui sont vraiment proches. Hein. Ouais. Moi je croyais que vraiment c'était un espèce de Smashville bis, alors que la Blast Zone du haut était vraiment très très haute. Et en fait, non, elle est hyper basse. Ah, du haut, non, vraiment, les persos avec des ladders sur. On a sauté. On a plus de jump, ça va peut-être aller chercher. Oh, dommage, le nerf, c'était une bonne idée, malheureusement. Un petit peu un problème de timing du côté de Corvain qui a peut-être lui coûté cher, ça aurait pu vraiment prendre la stock là-dessus, c'est dommage. Et là on se fait reverse, là on est en phase de ledge trap, oh, et là bien vu, et là, attention, ça reverse le reverse. C'est dommage de ne pas avoir pu concrétiser là-dessus, sachant qu'on n'avait plus rien côté Pitcan. Du coup, ouais, ça, attention là-dessus, on peut avoir des choses. Ça c'est un truc que les débutants font, c'est un petit peu dommage de laisser faire reverse là-dessus. Il a essayé de partir avec un back air pour le stage pack, ce qui est pas bête, mais les débutants ne font jamais un truc, c'est que tu peux venir stage pack et sauter en même temps, comme ça bah, ah, tu oui. Tentes le stage pack et en même temps tu es safe quoi. Ouais, tu reviens sur le stage. Et là il a juste fait son back air, bah, du coup ça a pas marché, bah, il s'est juste fait reverse ouais. Bêtement, hein, c'est assez dommage. Je suis venu à gagner. Et Pitcan commence à bien revenir dans la game, mais nous vient bien rattraper son retard. Ouais, 82%, là on est acculé à ledge hein, du côté de Corvain, ça va être un petit peu chaud hein, ce forward en plus qui tue terriblement tôt malheureusement. Enfin malheureusement, non, heureusement pour Pitcan, mais malheureusement pour Corvain. Ça aurait pu se clore là. Ouh, mâche. Ok. Non, ça tue pas. Non, la backstroke, peut-être si elle est bien dit. Aïe. Oh. C'est dommage, j'aurais peut-être dû tenter de jump. Je sais pas s'il a tenté une air dodge ou quoi, mais il est mort. Il est mort bizarrement. Ouais. Bon, bizarrement. En tout cas, moi je vais juste faire une mini pause. Je vais juste aller chercher une bouteille d'eau. C'est extrêmement fatigant de parler tout le temps.